après avoir reçu de la part du Seigneur les go de reprendre les activités. Simanangai kozokoute pana ya wenzambe etinda ya kozongela musala nangai. Il nous intéressait une question où on réfléchissait autour du processus, autour de comment cela allait se faire. Et si kala kinanga na mutuna moko na mutuna ekobanda boni ekosele mapelo enge kani. J'avais à un moment commencé à schématiser les choses comme tout humain. Et seulement que je me suis rendu encore compte une fois de plus que de la même manière les cieux sont éloignés de la terre, il en est de même, les pensées de Dieu ne ressemblent en rien aux nôtres. Alors qu'un chemin était presque en train de se ficeler, le Seigneur l'a fait de sa manière et de la plus belle des façons. Vous savez pourquoi? Parce que c'est passé par la plus grande des institutions qui est l'église que vous êtes. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas de mots ce matin. J'essaie de construire des phrases non sur le cendre de la méchanceté et de la haine inouïe des gens, non pas à cause de mon innocence, mais à cause de la sincérité de mes peines et de mes larmes. Huit mois après, certes que la nuit a été très longue, ça ne m'a pas seulement rendu fort, mais bien plus, ça m'a mûri, ça m'a rendu sage et m'a permis de tirer plusieurs leçons et apprendre en même temps plusieurs choses de la part du Seigneur, notamment le silence, l'écoute, l'humilité, la persévérance, mais surtout la foi et la confiance en Dieu. Je ne sais comprendre avec ma petite intelligence la gratuité de la méchanceté des hommes, autant je ne saurais vous expliquer avec mes mots la gratitude. Autant je ne saurais vous expliquer avec mes mots ma gratitude ce matin envers le Seigneur. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, parfois le monde condamne des personnes paisibles pour acquitter les bourreaux, vous savez. Heureusement et gloire soit rendue au Seigneur, il y a là au ciel un Dieu qui n'est pas intimidé par la gravité de nos fautes, encore moins influencé par nos jugements. Mais il regarde nos cœurs, les sondes et les connaît. Il va donner des milolo et des acclamations. Amen. Oh, Isaac, que Dieu te bénisse. Papa Baron, que Dieu vous bénisse. Ah, berger, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Na tondi na esengo kole kayo. Mais la kisa kole kingai. Est-ce que kole kisa kole kingai? Ah. Ceux qui n'ont rien à makasi, loko la berger Kevin n'engan na tombo la kiti. Amen. Ceux qui n'ont rien qui maman, loko la maman Yohana n'engan na beta mololo. Gloire à Dieu. Ah. Ceux qui n'ont rien qui mbinga, loko la prophète Christian, n'engan qui na kata losako na atambola. Oh yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, grande est notre joie. Lelo esengo, Isaiah biso penza.
Nous l'avons toujours eu tous les jours ici. Non, je parle d'une personne qui a toujours été avec nous, même quand c'était chaud, même quand c'était compliqué, il était toujours là. Alléluia. Amen. Il avait accepté de regagner les rangs. Il avait accepté de se confondre dans la foule. Devant la face de Dieu, il s'est humilié. Il a pris le temps de chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu apparaisse et lui dise: vas-y maintenant. Un jour, David a demandé à Dieu: est-ce que je dois attaquer? Dieu lui a dit: non, tu n'attaques pas. Tu attendras. Quand je serai descendu sur la cime de l'arbre, c'est alors que tu vas attaquer. Et il a attendu pendant longtemps sous l'arbre. Et quand Dieu est descendu, il a compris que c'est le moment de monter. C'est le moment de conduire les troupeaux que Dieu lui a donné. Là, je suis en train de parler de notre Père. Je parle de notre pasteur. Pendant qu'il se tient debout, nous lui témoignons notre affection. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut le recevoir? On peut manifester que nous sommes dans la joie? Oh, nous sommes heureux! Nous sommes heureux! La chorale n'est pas dans la joie? Oh, toi tu n'es pas dans la joie? Toi tu n'es pas dans la joie? Pendant que je l'invite à monter du haut de cette chaîne, je demande encore qu'on fasse le maximum de bruit. Quand j'invite notre daddy, le pasteur Mike Kalambay, pendant qu'il monte, oh yes. Oh yes. Oh yes. Mololo, 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 mololo. Mololo, eh. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à Jésus, le roi des rois. Gloire à celui qui était, qui est et qui vient. Gloire à l'agneau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Je suis en train de poser la question: est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? J'ai l'impression d'être le seul, moi et le pasteur Samuel, à nous réjouir ce matin. Est-ce que réellement quelqu'un est dans la joie ce matin? Que rien ne t'effraie, que rien ne bloque ta joie. Est-ce que quelqu'un peut exploser de joie dans la présence du Seigneur? J'aimerais entendre encore un peu plus de cris de joie. J'aimerais entendre des acclamations qui montent jusqu'au trône de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Juste pour un temps. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Que moi personnellement, je n'ai pas imaginé, que je n'ai pas calculé du tout. Mais
Pour la petite histoire, je prends à témoin certains serviteurs de Dieu même parmi nous qui m'ont accompagné dans mes derniers moments de prière. Ils sont là, certains. Après avoir reçu de la part du Seigneur les go de reprendre les activités, il nous était resté une question où on réfléchissait autour du processus, autour de comment cela allait se faire. Je suis allé. J'avais à un moment commencé à schématiser les choses comme tout humain. Seulement que je me suis rendu encore compte une fois de plus que de la même manière les cieux sont éloignés de la terre, il en est de même, les pensées de Dieu ne ressemblent en rien aux nôtres. Alors qu'un chemin était presque en train de se ficeler, le Seigneur l'a fait de sa manière et de la plus belle des façons. Vous savez pourquoi? Parce que c'est passé par la plus grande des institutions, qui est l'église que vous êtes. On venait à la Night of Glory. Si je l'avais su, peut-être on voudrait se faire accompagner de médias. On pouvait se faire accompagner de caméras. On sera en costume comme c'est le cas ce. Mais le Seigneur l'a fait en sa manière et de la plus belle de façon. Et tout de suite j'ai senti à moi une conviction, une voix parler directement à mon cœur. Mike, écoute, tu t'es posé la question autour de la procédure et en voilà la procédure. Et pour cela, je rends grâce à Dieu et je dis merci à toute l'Église. J'ai un mot que j'aimerais dire ce matin à l'endroit de l'Église. L'Église corps du Christ à travers le monde. Les serviteurs de Dieu à travers le monde. Dans sa présence church, comme l'église locale. J'avais pensé le coucher sur un bout, quelques papiers comme ça pour question de bien les agencer, sinon le mettre en ordre de priorité. Église, vous me permettez de vous parler, s'il vous plaît? Je demande, est-ce que vous me permettez de vous parler en quelques minutes, s'il vous plaît? Je suis en train de dire, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas de mots ce matin. J'essaie de construire des phrases, non sur le cendre de la méchanceté et de la haine inouïe des gens, non pas à cause de mon innocence, mais à cause de la sincérité de mes peines et de mes larmes. Huit mois après, certes que la nuit
a été très long. Oui, moi, Sima. Attaque au bouton et d'aller qui molaï. Le tunnel très sombre. Kasi bouton bata et le parcours difficile. Nanzela oya bebaka. Je suis témoin et j'ai vu de mes yeux le grand homme disparaître. Ngai nazali zengele kete. Bena mona maboko mamisu na ngai. Bato minene kokufaka. Les étoiles s'éteindront pas parce qu'elles ont arrêté d'éclairer. Bato mususu ezatete pwete batika ki kongala. Mais à cause de la nocivité humaine. Kasi pobele pona ntina bo kanza mitema na bango. Tel un corbeau. Lulanga kolobela. Qu'on condamne pour sa couleur noire. Atako et kokombele ba ko pesa ye bitumbu pona ntina na yindo. Et qu'on ignore à volonté sa couleur blanche pourtant visible. Kasi adali ko pesa ta mwa couleur ango ya pembe moke bo pelbo to mona ye. Cependant ça ne m'a pas seulement rendu fort. Mais bien plus, ça m'a mûri, ça m'a rendu sage. Et m'a permis de tirer plusieurs leçons. Et d'apprendre en même temps plusieurs choses de la part du Seigneur. Notamment le silence. L'écoute. L'humilité, la persévérance, mais surtout la foi et la confiance en Dieu. Autant je ne sais comprendre avec ma petite intelligence la gratuité de la méchanceté des hommes, autant je ne saurais vous expliquer avec mes mots la gratitude. Autant je ne saurais vous expliquer avec mes mots ma gratitude ce matin envers le Seigneur. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, parfois le monde condamne des personnes paisibles pour acquitter les bourreaux, vous savez. Heureusement et gloire soit rendue au Seigneur. Il y a là au ciel un Dieu qui n'est pas intimidé par la gravité de nos fautes. Encore moins influencé par nos jugements. Mais il regarde nos cœurs, les sondes et les connaît. J'avoue qu'à un moment, mon côté humain a fonctionné. Et avait comme ça reçu beaucoup de chocs. Tellement beaucoup que pour certains, c'était fini pour lui à Silinaye. Je perdais la grâce. Et pour d'autres, il ne fallait même pas que je me relève, comme c'est le cas ce matin. Ils m'ont condamné sans m'avoir écouté. Jugé sans m'avoir entendu. Bousculé, traité de tout. Bref, humilié. Sans se soucier de ce, sans même se soucier de ce que je deviendrai. Et même pas penser à votre sort après cela en tant que troupeau. Mais malgré tout ça, le juste juge, mon avocat en même temps, le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, lui qui voit dans le secret et qui voit nos cœurs au quotidien, qui connaît et voit tout ce qui s'y passe, m'a encore tendu sa main d'amour. Non seulement qu'il m'a imposé le silence, il m'a également conduit dans le chemin du pardon. Écoutez, Église, mon silence n'était pas ma retraite, et mon silence n'était pas une fuite. Encore moins une désertion.
encore moins une désertion. Il s'agissait d'une question très importante, bien au-delà de ma petite personne. C'était au-delà de ma petite réputation. Une question d'âme. Les âmes au pluriel. Les âmes qui ont coûté la vie à Jésus. Et pour lesquelles nous devrions rendre compte de tout ce que nous avons à faire et poser comme geste et action. Et même parole. Je me devais écouter Dieu et me retirer. Ma retraite a été certes longue, mais je vous rassure qu'elle n'est pas douloureuse. C'était pas douloureuse du tout. Vous savez pourquoi, Église? Parce que ma sentence était connue. C'était le pardon et aujourd'hui la restauration. Jésus-Christ ayant payé le prix. Je martèle dessus, c'était facile parce que ma sentence était connue. Le pardon et la restauration, Jésus ayant payé le prix. Parlant de la réputation, encore une fois, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Que cette réputation sur laquelle plusieurs comptent et s'appuient, qui semble faire même le point fort de plusieurs personnes, n'était qu'un habit, mais surtout une couverture fragile. Et j'ai compris qu'à tout moment et très facilement, même les oiseaux du ciel peuvent la déchirer. Seul Christ est un bouclier sûr sur lequel nous devons compter, pas sur nos capacités, pas sur nos compétences. Il est le bouclier sûr que rien, mais alors rien, ne peut déchirer ou encore détruire. Quelqu'un dit amen. J'étais quelquefois loin de vous, physiquement. Mais sachez que vous étiez dans chacune de mes pensées, dans chacune de mes prières. Dans vos regards, je pouvais lire l'amour. Dans vos gestes, l'envie que je vous revienne aussi vite. Mais je ne pouvais pas du tout, car le Seigneur ne me l'avait pas encore autorisé. Je voudrais sincèrement, par cette occasion, dire merci à l'Église Corps du Christ. Je dis merci. Merci à tous les frères et sœurs à travers le monde qui m'ont apporté leur soutien. Vous savez ma situation qui a commencé en fin 2018 et s'est empiré en 2019, aller jusqu'à aujourd'hui 2022, a été relayé dans différents médias, et cela dans différentes langues. J'ai vu des plateaux spéciaux en nos langues nationales, j'ai vu des plateaux spéciaux en français, j'ai vu des plateaux spéciaux même en anglais, dans le simple but d'atteindre tout le monde. Il leur restait tout simplement de le faire en chinois,
pour atteindre même les Chinois aussi. Leur dire, écoutez, il y a un diable au Congo, il s'appelle Mike. Mais malgré cela, vous ne m'avez pas retiré votre chaleur. Encore une fois, je dis merci. À vous dans sa présence, church. Je dirais, vous êtes la meilleure famille. Je disais, vous êtes la meilleure famille comme je n'ai jamais vu, je n'ai jamais connu. Qu'il me soit permis de vous témoigner toute ma reconnaissance et toute ma gratitude. Pour ne me voir, pour ne m'avoir pas lâché même une seule minute. Vos appels, vos messages, votre défense. Votre soutien conditionnel. Toutes ces choses m'ont prouvé votre amour immesurable et votre indéfectible attachement. J'en saurais sincèrement finir ces mots sans témoigner ma gratitude également à une autre famille que le Seigneur m'a donnée et mis sur mon chemin. Une véritable famille au vrai sens du mot. Qui m'a également porté son grand soutien comme je ne pouvais pas l'imaginer. Je parle de Madjabu Gospel. Je dis également merci à tous les hommes de Dieu. Et même les pères, certains pères. Qui ont trouvé dans leur agenda le temps de pouvoir effectuer un appel, m'apporter un soutien moral, m'apporter un conseil. Mais il y en a, je reconnais ici, qui ont passé des moments de prière avec moi, de partage, en distanciel et même en présentiel. Batata mususu, oh nakata manaka na bango, bazun tango, yako pesa nga toli, bazun tango yako sunganga, ba mususu bazun tango, yako zela peme nanga pona kopiki nisanga. Que dire du collège de serviteurs et servants de Dieu de dans sa présence, church? Bongona lobanini, pona lisanga, liboke bo bibabasa na nzambe ya baso mibal, nakata dans sa présence, church. Sous la conduite du pasteur Samuel Mukadi. Na lisungi po bokambani, ya pasteur Samuel Mukadi. Quel dévouement, mon Dieu! Voilà. Quel dévouement! Quelle fidélité, s'il vous plaît! Et quelle loyauté. Laissez-moi vous dire, s'il vous plaît, vous avouez une vérité, c'est que il y avait des moments où je ne sentais pas mon absence. Tellement que les choses étaient bien faites. Je m'asseyais là sur ma chaise entre maman Monique et papa Baron. Sans me plaindre du tout parce que les choses allaient très bien. Et
Et je puis vous dire ce matin que je passerai un peu plus de temps à côté de vous. Autant que je vous ai manqué, autant je serai d'être là pour justement rattraper, même combler ce vide longtemps observé. Ce matin, s'il vous plaît, Église, écoutez-moi. Je ne suis pas devant vous comme un victorieux. Mais comme un gracieux. Je disais, je ne viens pas ce matin comme un champion. Mais comme un gracieux. Quelqu'un à qui la grâce a choisi encore de faire grâce. Ce n'est ni par ma force, moins encore à cause de mes qualités, mes compétences. Mais c'est par la grâce. La simple grâce et la pure grâce de Dieu. Et pour finir, je vous dirai ceci. Humblement et de façon sincère, je réalise encore une fois combien je suis le fruit de cette grâce de Dieu. Je peux m'imaginer que nous n'avons juste aucune idée. Aucune idée, mais alors aucune idée. Des têtes que les scandales ont coupées. Des vaillants hommes et femmes que les scandales ont enterrés vivants. Combien de carrières brillantes. Combien de carrières brillantes englouties par le scandale. Combien d'appels annulés. Des destinées avortées. Des talents écrasés à cause d'un petit scandale. Bangolou. Je reconnais que dans mon cas, l'amour de Dieu m'a sauvé. Je disais, dans mon cas, l'amour de Dieu m'a sauvé. M'a épargné du pire. M'a enseigné et m'a réhabilité. Je vous dis de tout cœur. Bongo, merci. Encore une fois, merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux chanter encore moi, encore plutôt, chanter avec moi? Encore pendant une minute et demie, maximum deux. Et après, nous passerons au moment de la parole, ne serait-ce que pour quelques minutes, parce que dans 30 minutes, maximum 40, nous devrions quitter ici.
J'aimerais voir quelqu'un par reconnaissance qui lève sa main. Et voilà, et la balance comme ça. Est-ce que tu peux le faire? Balance ta main. Je voudrais chanter avec toi. Ne te pose pas beaucoup de questions autour du cantique, c'est très simple. Tu peux apprendre. Tu vas chanter avec moi, dis tout simplement Esaïe, Esaïe. Est-ce que tu es là? Je peux voir qu'il y a plusieurs qui pleurent, mais écoutez. Ne pleure pas parce que je crois que le pire est passé. Ah, je crois que quelqu'un allait dire amen. Je suis en train de dire ne pleure pas parce que le pire est passé. Je suis en train de dire en même temps au collège des serviteurs de Dieu, nous allons bosser, travailler comme des malades. Je vous fais une promesse de la part du Seigneur. Dieu nous promet de conquérir le monde, de conquérir le Congo. Mais cela au départ de Kinshasa, ici dans sa présence, church. Ah, je crois que quelqu'un le dit amen. Oh, est-ce que tu peux te tenir debout? À la fois, ça nous prépare à une courte exhortation de ce matin. Est-ce que tu peux balancer ta main? Balance ta main, balance ta main. Esaïe, Esaïe. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Dis encore. Esaïe, Esaïe, je ne t'entends pas, monte, explose, à haute voix, come on. Esaïe, Esaïe, est-ce que tu peux le faire de manière à influencer même le voisin de la gauche ou de la droite, come on. Esaïe, Esaïe, j'ai comme impression que ça n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut. Esaïe, Esaïe. S'il te plaît, monte encore, c'est très facile. Esaïe, Esaïe, Esaïe. Papa yondo lo banangaye, okozala nangaye. Esaïe, Esaïe. Obakise langaye lisus, okotika ngaye jamais. Esaïe, Esaïe. Yonde Molo belinanga e paya papa. Esaïe, Esaïe. Yondo memelanga kimia tango basimbelanga mabanga Yesu. Esaïe, Esaïe. Opangusanga pinzoli onalela na nkuku. Esaïe, Esaïe. Quand tout était noir, olobinanga Mike chamutu na tolo nanga yawa. Esaïe, Esaïe. Olobelanga ilisus okotika ngai jamais. Esaïe, Esaïe. Ozali tosokeye ilobelanga na yeba. Oyo mokili epi mingaye ezali na maboko na yo bilaka na yo yawe nga na bomba na motema ezayo nde yo loba o jura yolaka yo kozala na ngai. Chante à haute voix. Olobelanga ilisus okotika ngai jamais. Esaïe, Esaïe. Yonde molobelinanga epa ya papa. Esaïe, Esaïe. Yonde elike nanga ya suka. Esaïe, Esaïe. Yesu yonde yondo sopelanga imakila. Esaïe, Esaïe. Ozali tosokeye.
Parce que mon tout le monde dit mais Azali toi ça qui est vraiment. Oh Azali, Azali toi ça qui est. Taya bisanga soa kangi bisaka toye bataka. Azali toi qui est. Azali to shokeye. Lobelanga. Ah tu peux chanter ça? Oh c'est vrai. Ah alors on va le faire ensemble, on va le faire ensemble. Ah oh, j'aime ta promptitude. Écoutez. Ozali to shokei. Écoutez. Ozali to shokei. Eye, lobelanga nayeba. Oyo mokili. Mokili epininga. Ezali na maboko na yo. Bilaka. Na yo Yahweh. Na bomba. Wapi. Ezayo. Nde oloba, ojura, oloba, loba yoko zala nanga, ezayo, ezayo. On va le faire ensemble, Ozali. Une, deux, trois, go! Ozali, lobelanga, nayeba, oyomokili, eboyeli nangonga, ezawapi. Wapi. Ebongo bilaka. Na ye nzambe. Na bomba. Wapi. Eza nani. Eza yo. Ne aloba. Ojura. Ah. Yo loba yo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Je sais que ton cœur aimerait que ce soit moi qui apporte la parole ce matin. Non, ce n'est pas moi qui apporte la parole ce matin. Dieu s'est choisi une bouche, cette bouche habituelle qui nous a toujours fait du bien. Il va partager avec nous juste une pensée pendant quelques poussières de minutes. Quelque chose qui pourra nous garder nos pensées, quelque chose qui va nous permettre de repartir d'ici béni ayant écouté Dieu. J'aimerais que tu pries toi-même pour ton cœur. Dis Seigneur, parle-moi. J'aimerais encore t'entendre ce matin, pendant ne serait-ce que quelques minutes, mais comme jamais je ne t'ai entendu, je ne t'ai écouté me parler. Prie. J'aimerais t'entendre, te voir prier, s'il te plaît, prie. Seigneur, merci. C'est vrai que c'est un culte particulier. Un culte spécial d'action de grâce. Nous avons passé tout notre temps à te louer, te célébrer, t'adorer. Mais nous voulons repartir d'ici avec une pensée de toi. Merci d'être choisi encore une fois cette même bouche par laquelle tu n'as pas arrêté de nous faire du bien. Qu'il nous parle de ta part. Ouin-les. Que nos cœurs soient cette terre fertile. Qui vont recevoir cette semence et que dans la suite de temps nous voyons du fruit au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ne permet pas à la doute, au doute plutôt, et à la peur
de t'enfoncer face à ta situation. Est-ce que tu peux encore croire ce matin? Est-ce que tu peux encore croire ce matin que ce qui était impossible peut être facile ce matin, que ce qui était difficile peut devenir très facile ce matin, que ce qui était impossible peut devenir très possible ce matin? Si quelqu'un croit, il me donne un amen bien. Amen. Tu vas prier pendant 30 secondes seulement. Selon que tu le sens dans ton cœur. Selon que tu le sens dans ton cœur. Je ne sais pas, je ne connais pas ton problème. Mais prie pendant 30 minutes. Mais avec foi. Une foi dans laquelle il y a également la dimension de la confiance en Dieu. Quelqu'un lève sa main, ouvre sa bouche et commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur, parle. Rema, brasende reba, brash. Keliema, dereba, sakama. Dendereba, bruse, kaye, dereba. Sleva, yama, sendereba, kayama, Seigneur, merci pour ce matin où tu nous fais encore du bien. Merci de nous rappeler, de nous rappeler de ces choses combien importantes. Zambalola, nous reprenons nos places alors que nous donnons au Seigneur de très bonnes acclamations. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Non, non, j'aimerais entendre tes acclamations, s'il vous plaît. Soyons sérieux dans la présence du Seigneur. Parce que quelqu'un